Bonjour, bienvenue à la séquence 4, la blessure de la trahison. Elle fait partie des 5 blessures de l'âme, abandon, rejet, humiliation et trahison, ainsi que l'injustice. Cette blessure se constitue dans l'enfance, où l'un des parents, ou une figure parentale comme la grand-mère, le grand-père, ne respecte pas sa parole. Ça peut être, lors d'un divorce, le père qui rencontre une autre dame, une mère qui a un autre enfant. Quelle que soit l'image, l'événement, cela peut être réel ou totalement imaginaire, c'est-à-dire l'enfant se crée une blessure, puisque ça répond à sa mission d'âme. C'est dans nos blessures que nous découvrons notre mission d'âme. Généralement, nous combinons plusieurs blessures, souvent liées à la blessure du rejet ou de l'abandon. Ok. Nous sommes ici sur Terre, c'est pour expérimenter, mais aussi pour guérir. Et le TAD va venir nous aider à éliminer dans notre vie actuelle, mais également dans tout ce qui est transgénérationnel, dans tout ce qui est karmique. Bien vous munir d'un grand verre d'eau pour pouvoir s'hydrater tout au long de cette séance. Et avant de commencer, bien, nous allons poser notre intention, l'intention de guérison. Je pose, comme d'habitude, mon pouce à la naissance, l'annulaire, là on met l'alliance, sur l'autre côté, comme si je passais mon nez, mais au-dessus. Le majeur dans le troisième œil, je peux poser mes doigts ou les laisser en l'air. C'est comme je préfère. Mon autre main vient se positionner à l'arrière de la nuque, comme pour empêcher ma tête de tomber, mais surtout pour créer un faisceau lumineux, donc entre mes deux mains, comme pour aller nettoyer mes mémoires. Posons notre intention. Cette guérison est pour moi-même, mes ancêtres et ma famille, toutes les personnes impliquées, toutes les parts de moi, tous les points de vue que j'ai pu avoir au sujet de cette blessure de trahison. Et pour toutes les personnes qui se sentent concernées. Lâchez la pause. Laissez venir ce qui vient en ce moment. Et nous allons faire la première étape, qui est la connexion au problème, afin de pouvoir aller nettoyer. Reprenez la pause de manière confortable. Tout ce qui a contribué à ce que je m'identifie et me connecte résonne avec cette blessure de trahison. Tout cela s'est passé. C'est fait. Vous pouvez lâcher la pause quelques instants. Si vous sentez le besoin de tenir la pause plus longtemps que moi, c'est ok. Vous pouvez mettre pause à la vidéo, mais ça ne sert à rien de rester trop longtemps, car il y a 8 étapes qui suivent. Ça veut dire que ça va encore travailler, et ça travaille encore après la séance. Je vous invite d'ailleurs à ne pas faire cette vidéo plusieurs fois par jour, mais 2-3 fois par semaine maximum. Reprenons la pause. Tout ceci est fini. C'est passé.
Je ne m'identifie plus, ni ne me connecte, ni ne résonne. Avec cette blessure de trahison. Je vais vous laisser quelques instants. Et vous lâchez la peau. Nous allons maintenant faire l'étape où nous allons nettoyer les endroits de notre vie où ces mémoires ont été stockées, mémoires de trahison. Je vous invite à prendre la pause. Tous les endroits de ma vie, de mon corps et de mon esprit, où cette blessure de trahison a été stockée est en train de guérir maintenant. Dieu, univers infini, merci de guérir tous les endroits de ma vie où cette blessure de trahison a été stockée. Et vous pouvez lâcher la peau. Et simplement laisser venir ce qui vient. Je vous propose maintenant d'aller nettoyer les origines. Et je vous invite à reprendre cette pause. En sachant que tout bâillement est très bénéfique puisque ça veut vraiment dire qu'il y a une intégration de la guérison. Toutes les origines de cette blessure de trahison sont en train de guérir maintenant. Dieu, univers infini, merci de guérir toutes les origines de cette blessure de trahison. Je vous invite à lâcher la peau. Ici, je vous propose de boire un peu d'eau, puisque nous allons passer à l'étape du pardon. Avec bienveillance, on se souvient. Le pardon n'est pas facile. Et donc, si vous ne lâchez pas tout du premier coup, c'est pas grave. Vous lâcherez peut-être à la prochaine vidéo. Buvons un coup d'eau. L'étape qui suit est fait en trois étapes. Donc prenons le temps. Prenons la pause. Je pardonne à toute personne que j'ai pu blesser, offenser. Oh pardon, je me trompe. Je pardonne à toute personne qui m'a blessé, offensé en lien avec cette blessure de trahison. Et je leur souhaite
amour, bonheur et paix. Vous pouvez lâcher. Laissez-vous sentir quelques instants reposer vos épaules parce que nous allons repartir tout de suite pour la deuxième étape. Reprenez la pause. Je demande pardon à toute personne que j'ai blessée et offensée en lien avec cette blessure de la trahison. Je leur souhaite amour, bonheur et paix. Lâchez la pause, laissez faire plus bien. Pour des personnes, des images qui sont importantes. Prenons la pause pour la troisième et dernière étape du pardon. Je pardonne à toute personne que je rends responsable de cette blessure de la trahison. Moi, Dieu, l'univers y compris, je nous souhaite amour, bonheur et paix. Et je vous invite à lâcher la planche en sachant que vous avez encore travaillé, mais tout est ok. Laissez-vous sentir ce qui est là. Maintenant, nous allons travailler sur les parts de nous. Les parts de nous qui sont impliquées, programmées. Et donc, nous allons nettoyer tout cela. Reprenez la pause. Toutes les parts de moi qui sont impliquées dans cette blessure de la trahison sont en train de guérir maintenant. Dieu, univers infini, merci de guérir toutes les parts de moi impliquées dans cette blessure de trahison. Et lâchez la pause, la retraite. Laissez-vous sentir ce qui est là, simplement,
sans jugement. Vous avez réalisé un petit peu d'eau, moi je vais reprendre un peu. Et nous allons nous laisser guérir ce qui reste et ce qui est en lien avec cette blessure de trahison. Il est utile de garder la peau 10 minutes en étant sûr qu'il n'y a pas de guérir. On arrive plutôt à refaire d'ici 2-3 jours une autre vie. Et à nouveau, je vous invite à prendre la pause. Tout ce qui reste en lien avec cette blessure de la trahison est en train de guérir maintenant. Dieu, l'univers, merci de guérir tout ce qui reste en lien avec cette blessure de la trahison. Et je vous invite à lâcher la pause et de laisser faire ce qui est là, ce qui vient. Maintenant, nous allons passer à la notion du choix. Qu'est-ce que vous voulez à la place de cette blessure de la trahison? C'est quoi pour vous l'opposé? Si vous n'aviez plus cette blessure de la trahison, vous seriez. Moi, pour cette vidéo, à la place de la trahison, je vais mettre la loyauté et le respect. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser les mots qui sont justes pour vous. Simplement. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Et à nouveau, je vous invite à prendre la pause. Je choisis de me connecter, m'identifier, raisonner avec loyauté et respect de moi. Loyauté et respect. Je vous invite à quitter la pause quelques instants. Gardez les yeux fermés parce que nous allons tout de suite procéder à la vibration. Reprenez la pause. L'intégration de toute cette séance, de tous ces bienfaits, de ma nouvelle vibration. Loyauté et respect de moi est en train de s'enregistrer et de se programmer maintenant. Inversez les mains. L'intégration de ma nouvelle identité. Respect de moi.
loyauté, est en train de s'intégrer profondément et définitivement. Vous lâchez la force. Laissez-vous sentir ce qui est là. Acceptez que peut-être tout n'est pas résolu aujourd'hui. Laissez-vous aussi 2-3 jours afin de vérifier. Comment savoir si c'est ok pour vous si vous êtes guéri de cette trahison? Eh bien, vous n'en voudrez plus jamais. Vous ne serez plus dans cette peur, dans ce doute, dans ce manque de confiance. Merci à vous d'œuvrer pour votre propre paix et la paix dans le monde. Merci. À tout bientôt.